Voilà, c'est là. Ouais, ça va. Consensuel. Bonjour. Connaissez-vous le point commun entre ces trois sons? Pour ceux qui n'auraient toujours pas trouvé, voici un indice supplémentaire. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais chier là, on est en train de tourner là! Tu sais combien ça va nous coûter en bande tes conneries là? Bordel de merde! Qu'est-ce que tu filmes? Tour d'horizon, Chris Sawyer, tu sais ce qui était prévu quoi! Non, ça te dit rien? Pourquoi t'en commences un nouveau alors qu'on t'a pas fini l'ancien? Il est pas fini l'ancien! Enfin, le suivant, le Magic! C'est sur Magic? Oui! Ça fait des mois qu'on l'a fini! Ah non, on n'a pas fini, reste encore Magic Tactics! Alors écoute-moi, tu vas me faire le plaisir d'enlever ta veste, ta chemise, tes cheveux! Non, pas mes cheveux! Et tu vas me faire le plaisir d'en mettre tes lunettes parce que t'as l'air ridicule! Mais. Pas de mais! Faut finir le travail, d'accord? Magic Tactics, tu le fais maintenant et tu plains pas et. Sourire, voilà, oui, voilà, oui, c'est monsieur. Bien, voilà. Oui, monsieur. Allez. Oh, sans déconner, les 5 minutes de votre caméra, ils font n'importe quoi, quoi.
vais jouer. Allez, Magic Tactics, montre, explique. Alors, partage. Magic Tactics, sorti tout récemment, et développé et édité par Sony Online Entertainment. Mm-hmm. Donc c'est un jeu basé sur la franchise de Magic The Gathering. Mm-hmm. Et, mais c'est un... Alors qu'est-ce que ça emprunte au jeu? Ça emprunte surtout les scénarios, l'emballage. Voilà. Donc c'est... Enfin, on retrouve... Enfin, c'est un jeu de tactique, c'est pas un jeu de cartes. Même si on retrouve quelques éléments qui viennent du jeu de cartes. Mais globalement, c'est un jeu qui est vraiment différent du jeu de cartes. Voilà. D'accord. Donc. Vas-y. Donc, par exemple, là, nous sommes sur un écran de campagne. Donc, c'est ce qui est disponible en mode solo. Je n'ai pas encore vu tous les modes qu'il y avait dans Magic Tactics, mm-hmm. puisqu'on peut aussi jouer en multijoueur. Alors, donc Current, Locked, Daily, Completed. Ok, donc c'est-à-dire qu'en fait, donc Daily, ça veut dire qu'il y aura des missions qui apparaîtront tous les jours. Ok, d'accord, ouais. Vas-y. On peut supposer ça. Donc, par exemple, on va lancer cette. Donc, c'est une histoire de secte. Juste pour montrer, on a plusieurs mondes. Ça sert à rien. Ouais. Voilà. The forest is thick, hot, and dripping with sticky, oversized spider webs. Your friend Targan's cries for help grow faint and strangled as he languishes somewhere ahead of you. And you realize he's been captured in a giant cocoon. Donc ton spellbook. Donc spellbook, c'est le livre de sorts. Mm-hmm. Donc là. C'est le deck en fait. Ouais, c'est ça, c'est le deck. Mm-hmm. Et donc on commence le jeu avec 40 cartes, enfin 40 sorts. Mm-hmm. Et donc on n'a pas trop le choix pour le début. Donc là il y en a deux parce que j'ai voulu tester un peu la création. Mais bon, vu qu'il n'y a que 40 cartes. Alors t'as un deck blanc-vert, est-ce que c'est parce que t'as choisi ou il y a un... J'ai choisi. Donc d'accord. En fait quand on lance ce jeu, on choisit la couleur qu'on veut représenter, voilà. Donc quand on joue blanc, on a blanc et vert. Ouais. Quand on joue bleu, on a bleu et noir. Noir, rouge et noir, rouge. Rouge et noir aussi, et vert avec le blanc. Donc le jeu est bon, il a pas l'air très très beau, mais parce que là en fait on a baissé, enfin moi j'ai baissé tous les caractéristiques, enfin les specs, enfin les toutes les améliorations graphiques, tout ça. Voilà, parce qu'en fait donc déjà le PC c'est pas un avion de chasse. Voilà. Enfin, d'accord. Et puis surtout le client, donc qui est le client standard de chez Sony Online, mm-hmm. il marche pas partout de la même façon. Mm-hmm. Donc en gros sur la même grosse machine qui a du pouvoir et tout, mm-hmm. ça marche pas. Ouais. Simplement. De quoi on a fait avec son là et ouais. on a fait avec ça. Voilà. Donc là on est vraiment au minimum. Ouais. C'est pas hyper fluide mais c'est jouable. Ouais. Voilà. Donc. À la fin on mettra à mort pour ajuster à quoi ça ressemble. Ouais. Allez, vas-y. Alors, donc là on se retrouve dans l'écran de jeu. Mm-hmm. Donc là on est le terrain il est en 3D. Hein, ouais. Et après le déplacement est en 2 dimensions sur une grille. Ouais. Là, on voit déjà des ennemis. Mm-hmm. En fait, les ennemis et les alliés, on les voit directement sur le terrain. Donc, c'est sur ce terrain qu'on peut invoquer et lancer des sorts qui sont justement dans cette barre. D'accord. Donc, là, par exemple, on a un enchantement, un autre, une créature. Voilà. Alors, comment est-ce que tu les. Enfin, qu'est-ce qui fait que tu as des créatures ou d'autres créatures? Alors, ça apparaît quand. Il me semble que ça apparaît quand on arrive sur le tour. Du Planeswalker, donc c'est le personnage qu'on a choisi. Quoi, il change de barre entière ou bien il se... Non, ça remplit, il y a une carte qui arrive, super. Une carte à chaque fois ? Une seule, enfin okay. c'est ce que j'ai constaté. Constaté ouais. D'accord, bon bah c'est quoi ? Montre-nous, on va voir ça tout de suite. Donc là on a le cercle, c'est la mana, donc l'énergie. Donc c'est les ressources cette fois-ci ? Voilà, c'est ça. Donc en fait c'est à peu près pareil quand on arrive sur le tour du Planeswalker. Ça génère un certain nombre selon voilà. quelque chose quoi. Par exemple, il y a écrit en bas Fudo, enfin ça c'est le nom du personnage. Générité de One White, donc okay. Là on retrouve bien l'énergie mm-hmm. qui est ici, qui va ensuite servir à invoquer. D'accord. Donc sur la barre de gauche, donc ça c'est la barre de... Initiative, la TB, tout ce que vous voulez. Donc c'est un peu comme dans Heroes of Might and Magic 5. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ressemblent, donc la grille carrée et le déplacement, puis la barre... La barre de combat. D'initiative. Voilà. Ressent. Donc. Héros. Donc là, bon, bah, je vais avancer. Donc là, avec le Planeswalker, donc c'est le personnage qu'on crée au début du jeu. Mm-hmm. Là, il a 5 de force et 200 de vie. Mm-hmm. Donc là, c'est ses stats.
Donc là, on retrouve les deux numéros de tout à l'heure. Ouais. 3, c'est le déplacement. La distance, ouais. Il y a une chaussure à côté. Voilà. Alors, voilà. On peut laisser, il y a move. En dessous, c'est quoi? C'est l'initiative. Ouais, c'est l'initiative, ça. Et à côté, c'est la portée. Ouais, c'est ça. Donc il a 2-1, donc en fait, il tape juste corps à corps. Corps à corps, voilà. Donc, objectif de ce niveau, defeat all enemies and destroy all cocoons. Donc, détruire tout le monde et détruire les cocons. Donc, ça doit être lié au thème. Oui, ok, de l'araignée, quoi. Ouais, c'est ce qu'il y a en fait là. Ouais, d'accord. Je vais y aller. Attends, tu peux m'envoyer un truc là? Non, j'ai pas d'énergie là. D'accord. Bon, sinon, tu vois, ce serait pas. Ce serait pas grisé. Ouais, ce ne serait pas grisé. Donc là, pour l'instant, je vais juste m'occuper des cocons. Mm-hmm. Tu as 25 points de vie, et après tu mets 5. Ouais. Tu vas mettre 5 tours pour le tuer. Mais bon, après, avec les tours qui vont arriver, je pourrais invoquer de nouvelles créatures. Ah, il débase de quoi? Parce qu'il va changer de ouais. Ouf là, moins 40. Qu'est-ce que c'est là-bas, le cercle en vrai? Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est peut-être un portail de téléportation. Ok, donc là, tu as gagné un blanc et un vert. Après, voilà. Là, je peux invoquer un initiate soldier. Soldat initié, je sais pas ce que ça veut dire ça. Donc je clique ici. Il y a une carte en plus, ouais. Voilà. Donc là, en fait, cette carte, enfin cette créature a besoin d'une blanche. Un mana blanc, ouais, et un mana. Et une mana color, donc ouais, n'importe laquelle. Donc là, je choisis le seul mana qui est disponible. Et je le pose à côté. Alors ouais, jusqu'où est-ce que tu peux invoquer? J'ai une portée. C'est à côté. Juste à côté. Côté. Juste à côté du Place Walker. Donc il peut pas invoquer à l'autre bout du terrain. Donc là j'ai invoqué mon soldat, qu'on va retrouver ici par exemple. Ici, ouais, il est dans la barre, ouais, voilà. Donc là, il a l'araignée à 20 d'attaque et 40 de points de vie, Donc là il est réduit à 35 puisque mon Planeswalker il a 5 points de force qui a riposté. Donc t'as invoqué quelque chose et tu peux encore jouer derrière avec ton Planeswalker. Ouais, tant que en fait l'action n'a pas le je sais pas, en fait, c'est pas marqué ici. En fait quand une action arrête le tour, en fait il y a le sablier qui est à côté, donc c'est un. Enfin, par exemple, il y a le sablier qui est en bas à droite. Ça attend, on fait passer le tour, ça. Donc ça fait passer le tour. D'accord. Donc voilà, on a. Ah oui, d'accord. Il y a des icônes de sablier. Ah, donc c'est une action. D'accord. Action passer le tour. Bon, d'accord. Allez, continue. Si tour suivant. Alors maintenant, soit je suis persévère en attaquant, donc je pourrais le réduire à 30 points de vie. Ouais. Et après, je m'expose à. Après, tu colles 10 derrière, donc en fait. Ouais. 30, donc 5, ouais. 10, 5, 10, et voilà. Bon. Ah oui. Bon allez hop, je vais attaquer. De toute façon j'ai plus d'énergie pour invoquer quoi que ce soit. Voilà. Donc lui il va attaquer. Il défend. Est-ce qu'il a une capacité spéciale ton initié ou quoi? On peut voir ça initié ici en faisant clic droit. Non, une capacité, d'accord. Il n'a rien, c'est juste une créature. Qui a 10 points de force et 50 de résistance. Donc là, j'ai gagné 2 blancs et 1 vert. D'accord. Donc, la couleur que tu gagnes, c'est par rapport à quoi exactement? Donc, c'est par rapport au cadre de ta main ou c'est autre chose? C'est par rapport, il me semble que c'est par rapport à ce qui est disponible dans ton deck. Enfin, je crois. C'est-à-dire, plus tu joues de vert, plus tu auras de vert en fait. Voilà, je crois que c'est ça. Au niveau du ratio, le pourcentage. Après, c'est à vérifier, hein, mais c'est ce qui me semble. Ouais, bon, au bout d'une heure en même temps. Ouais. Allez. Alors, donc là, j'ai 2 blancs et 1 vert, ouais. Donc je peux enchanter. Donc, c'est une défense. Ça, c'est pour défendre, ça, c'est pareil. Un autre enchantement, donc non, ça, c'est pour... C'est pas sérieux, c'est une araignée en face. Ouais. Et donc à droite, c'est quoi? C'est... Ah, pour avoir le pétinement. Donc ça sert pas trop, je pense. Je pense que vaut mieux... Est-ce que tu sais déjà, toi, ça sert à quoi le pétinement, quoi? Le piétinement? Ouais. Là, j'ai jamais eu l'occasion de... D'accord, donc on sait pas encore. Ouais. On verra tout à l'heure. Je pense que là, t'as des belotes énormes à invoquer, donc on va peut-être patienter pour l'instant. Voilà. Plutôt que de dépenser. Ouais, voilà. Voilà. Donc, d'accord. Patiente. Donc, ce que je peux faire, c'est attaquer directement. Mm-hmm. Voilà. J'ai de cette araignée qui fait un peu mal. Ouais, et qui résiste beaucoup aussi. Hop. Attaque.
dans ce jeu, on peut faire des coups critiques, hein, donc parfois ça amène des dégâts supplémentaires. Combien de fois il riposte le... combien de fois est-ce qu'une personne riposte en fait? Il riposte une fois. Parce que là, tu l'as attaqué, là, il a repoussé derrière. Ouais, parce que ouais, c'était son tour. Ah, il a attaqué, d'accord. Donc là, je suis pas très bien. Enfin, là, l'araignée de derrière est bloquée, mais. Parce que tu sais que t'es en maladesse, pour ça. Ah, parce que t'es en maladesse. Ouais. Donc là, ce que je peux faire. Non, ça sert à rien. Donc là. Ouais, ouais, je crois que t'es en maladesse, hein, vraiment. Là, j'ai. Qu'est-ce que c'est quoi si t'attaques les cocons jusqu'au bout, en fait? Les cocons? Ouais. Qu'est-ce que ça t'apporte à la fin? Je sais pas. Ouais. Je viens d'arriver sur cette mission, donc je sais pas encore ce que ça apporte. Que sinon je peux ouais, ouais, encore deux coups, mais derrière t'en as une qui arrive. Ouais. D'ici là, t'auras gagné deux points de mana en plus. Et à deux points de mana, tu pourras presque balancer ça. Mais ouais. Essaye, en fait. De toute façon, ils vont gêner pour l'instant. Pour un tour, ils vont gêner. Il va attaquer, tu vas riposter. Ouf. Crushing Blow, c'est un coup critique, c'est ça? Crushing Blow, je sais pas. Je crois que c'est peut-être une de ses capacités. Ah! C'était mauvais, mais c'est il met 20, il met que 14 en fait. Non, ça c'est la portée. Oh, tu t'es fait l'homme du destin. Ouais. Tu t'es fait Doomblade. Est-ce que t'as une autre map que t'as déjà fait ou pas du tout? Bah, je suis à là en fait, sinon on peut aller faire celle-là. Ou alors on peut peut-être aussi voir. Ah, faut l'acheter celle-là, chapter. Ah ouais. Donc voilà. Parce que oui, c'est un free to play. Ouais. Montre-nous l'écran de base. Donc c'est ici. Ouais, super. Donc Et donc? Oui, c'est ça. Alors donc play, spellbook, donc, c'est pour éditer ton truc. Auction House. Comme dans tous les jeux de ce genre là, c'est pour vendre et échanger. Acheter. On peut échanger, tu penses? Je sais pas si on peut changer, c'est étonnant. D'accord. C'est étonnant. Et elle sort. Alors au-dessus, ouais, donc ça c'est juste des trucs. Entercode, c'est pour ce qu'on avait acheté sur un commerce. On peut ajouter des amis aussi. Pour l'instant t'as pas d'amis, tout ça. Ok, exit, machin. Et... Donc mets le jeu à fond. Ah oui. Ouais. Après je pense qu'on aura fait le tour. Alors, non. Non, pas ça. Non, pas ça non plus. Ah bah je vais changer d'être ici. Ouais. Voilà. Ah mais il faut cocher. Ça arrive. Hop. Là, on est fait. Bah on s'est fait. Ah oui, c'est fait. C'est marrant. Enfin ça s'est décalé. Ça s'est décalé, ouais. Ouais, des fois, il y a des, c'est un peu dur à cliquer, il y a des décalages sur les zones activables. Enfin, alors, play, solo play tutorial, tournament et single pick games. Ok. Juste voir si ça se passe comment. Est-ce qu'il faut acheter de l'argent? Open tournament, cost, gold home. Ah, d'accord, faut payer en fait à chaque fois. Et non, on va acheter de l'or. Tout est autour de ça. Pour moi, il y a quand même un mode solo qui est assez intéressant quand même. Après c'est juste une campagne. C'est sympa qu'elle soit vendue. The forest is thick, hot, and dripping with sticky, oversized spider webs. Your friend. On va voir ça. Alors là non, le jeu est à fond. Aux machines qui va avoir du mal à supporter. Ah, au secours. Waouh. Ok. Ah, par contre moi j'ai une meilleure main que toi. Ah oui, je vois ça. J'ai pas eu des ballottes dès le début. Quoi. Ouais, pour c'est dommage qu'on puisse pas faire de Mulligan ouais. Au début de partie. C'est ce que je me disais, c'est Mulligan. Ouais, donc est-ce que tu crois que c'est plus un jeu de stratégie ou plus un jeu de genre RPG ou je sais pas quoi? C'est plus tactique quoi, des stratégies. Parce que là, on n'a pas vraiment d'évolution, enfin on a des niveaux de personnages, mais ça c'est, je crois que c'est plus le niveau du joueur plus que le niveau du personnage qui va devenir plus fort. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment d'évolution, les créatures restent les mêmes. La seule chose qui évolue c'est le nombre de cartes à débloquer et puis sûrement des PV aussi. Voilà. Mais bon après on les gagne pas tous, je pense qu'il y a des cartes qu'on peut les gagner seulement en les achetant. Il n'y a pas une très grosse dimension RPG dans ce jeu. Alors je vais juste te signaler que là ton truc, enfin là on est en max hein, niveau résolution, c'est pas super bon. Moi ouais, je sais pas si c'est vraiment limité comme ça. Ouais. Attention, c'est beau, on est d'accord, mais c'est pas aussi bon qu'on pourrait imaginer.
La visibilité et l'agréabilité. Et après, c'est peut-être juste ce terrain qui est. Non, c'est ok, ouais, c'est vrai. Ah, il est cool, ouais. Bah, ton goût, il a pas fait l'enfer. Ouais, ouais. J'ai un autre coup, c'est quoi ça? C'est. Aucune forme. Plus 30, plus 30. Est-ce que je peux faire 30 moi? Ah, si je paye. Ah, oui, faut payer, vas-y. Je peux faire 100 moi, quoi. Non. C'est dommage. Est-ce que je peux annuler, du coup? Échappe-toi. Ok, mon air revenu. Alors, aucune forme, donc mon blesse au cœur ne peut pas être enchanté. Mmh. Prends, j'ai un initié. Ouais. Ce que tu peux faire, tu peux le, peut-être le. Ah, mais ouais, il a combien de points de vie lui? Vas-y, pose-le. Non, je vais voir juste avec c'est quoi, ça prend deux blancs, donc je garde du loin. Regardez, je continue de bloquer ça. Rush! D'accord, bon, alors, on va continuer de taper ça pendant qu'on est bloqué. Pour qu'on bloque l'autre là. Ah mon. Oula ouais, donc c'est vraiment un coup critique en fait. Ah, il y en a aucune dernière machin. Parce que là il va attaquer des fois là. Oh. Non, il a fini son tour. Ah, non, ah d'accord, c'était l'arrivée de Dark. Okay. Donc c'est à moi. Comment il me reste 10. Alors j'ai quoi? J'ai un Ent. Ouais. Yeah. Alors là il y a aussi un truc, c'est les créatures qui sont range. Donc c'est pas la portée, parce que l'araignée elle a la portée, elle peut intercepter les créatures qui le volent. Mm-hmm. Mais par contre le range c'est attaque à distance en plus. Mm-hmm. C'est une dimension que t'as testé toi? Bah le range c'est vraiment un peu comme dans Heroes of Might and Magic 5. C'est en fait le... ouais. Le en fait quand on tire à distance, ça prend en compte la distance de tir, donc plus la créature ciblée est loin, plus moins elle fait de dégâts en fait. Enfin moins l'archer fait de dégâts. C'est représenté par une petite flèche cassée. Comme dans Heroes of Might and Magic 5. Ok. Ouais. Alors ici on a Keeper of Valor. Est-ce que je peux le faire là? Oui je peux le faire. Face of Violence, il a 40 mais il va se prendre cher. Alors lui il va résister au moins un coup. Oh, je sais pas ça. Ouais ils meurent tous au deuxième coup de toute façon. Vu que les araignées font 20, ont 20 de force, enfin 20 ont... Ouais, 20, ouais, j'ai aucune créature qui est... Ouais. Si, c'est la fait 20. Sinon, ouais, tu prends n'importe laquelle et puis tu mets un enchantement dessus au prochain tour. Ouais, faut que je paye deux encore. Ouais. Voilà. Ah, je peux pas, j'ai pas la place par contre. Ah, ouais, tu peux peut-être le faire derrière, là. Non, je vais pas le mettre derrière, sinon. L'objectif, c'est de pas le mettre derrière. Celui-là aussi, c'est un gros, non? Je sais pas. Encore un? Ouais, 4. Ah, je peux mettre autour, ça. Je veux justement qu'il bloque le chemin. Ok, ça rame un peu, mais c'est pas infaisable. Hein, ouais. Après, le prochain tour, j'ai encore pour le. Ah, c'est quoi ça, c'est? Ouch, je sais pas. C'est quoi sa capacité pour qu'il passe à 60 là? C'est quoi, c'est. Protection from ranged. C'est pas ça, non, c'est autre chose. Your creatures get plus 30, plus 0, c'est le trampling. Pourquoi il passe à 60 là, je comprends pas. Ok. Il met 30 de dégâts. 35, c'est pas mal. Donc là. Passe. Il va mourir. Ouais. Là, c'est à mon tour, c'est pour du PSQ. J'ai créé une unité. C'est quoi ça? C'est un. Un enchaînement. C'est ça. Donc là, qui prend une balle. Ouais, t'es obligé de le mettre derrière. Ah, faut que tu prennes la mana. Ah, attends. Je sais, est-ce que je le mets derrière ou pas? Parce que derrière, il va me servir à rien derrière, donc je vais pas le faire. Est-ce que j'ai ici? J'ai aucune forme, mais là j'ai rien. Ok, bon, ben, ce que je vais faire déjà, c'est je vais détruire ça. Et lui, à la fois, je vais le détruire du coup. Yeah! Ah, pourtant. Ah, mais en même temps, c'était débloqué un nouveau chemin. C'est débloqué un nouveau chemin, et donc je vais pas invoquer mon champ derrière. Parce que je sais pas si ça le fait. Yeah. Tactique! Trop loin, non. Ah oh. Je vais pas l'invoquer parce qu'il est trop. Ah si, il s'en va. Je peux invoquer machin. Ah ouais. Ah mais il peut attaquer en diagonale par contre. Oui. Mais je recule après. Alors, j'ai quoi ici? J'ai. Ah donc c'est créature d'un côté, apparemment, et tout ce qui sort derrière. D'accord. C'est bien pour. Ouais, c'est rangé. Ouais, c'est rangé. C'est quoi ça? C'est Pathfinder, tout à l'heure. Ouais. Ça. Alors. 1, 2, voilà.
Très bien. Je recule un peu, ouais. Tactique. Tactique. Je peux invoquer quelque chose de plus? Ah, je crois qu'il y a une bestiole encore. S'il faut. Mais je vais le faire. Je vais le faire. Et ouais. Ah, t'as annulé. Hop. Et ouais, je vais le faire. Je vais vous décraser en même temps. Hop. Et comment je suis protégé? Ah, attention, ouais, il va bouger, ouais. Il va bouger sinon. Ouais. Mais tout en changeant s'il bouge. Ouais. Yarr! Oh! Qu'est-ce que c'est la vigilance? Attaquer, il ne faut pas s'engager. Ah, elle riposte à toutes les attaques. Ah, d'accord. Ouais. Ah, un Jotun Wolf créature gagne plus et plus 10. Et plus 30, plus 30. Je préfère ça. Alors, bon, moi, avec, ouais, tu peux mettre ça déjà pour qu'ils survivent au moins un coup. Ensuite, je mets encore l'autre. Ça me paraît vachement bien. Il y avait un arbre, en tout cas, parce que. Ah, bah, tu peux pas le mettre directement ou je peux. Ah, d'accord. Hop. Le charme de l'aide. Il sert heureusement, donc. C'est qui reste. Ah, c'est ça. Ok, d'accord. Non, c'est très sympathique. Donc, j'aime bien, vraiment, c'est trop mal. Hop. Et puis là, tu vas t'enfuir. Ou. Tactical Advance, je peux faire ça aussi. Et je crois que c'est juste un move, non? Enfin, j'ai jamais essayé. Hein. Ah, non. Oh, il est super buffé. Ah, il va one shot l'araignée. Ah, d'accord, ça va. Juste après le tour du place au cœur, il va bouger le. Non, ça le déplace actuellement. Ça le déplace actuellement, je crois. Voilà. Ah bon? Ouais. Ah. C'est le sort qui fait ça. Mais il peut pas attaquer, hein, c'est ça? Si, si, il peut. Attends, parce que c'est pas encore son tour, là. Mais je crois qu'il pourrait juste bouger, en fait. Faire un mouvement. Ah. Bon, je vais bouger bêtement, moi, parce que j'aime un peu de me... Ouais. Ah non, non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Je vais avancer là. Ouais. Voilà, c'est bon. Bah il fait des attaques critiques, le monsieur, là. Le monsieur... Oula, en plus, il fait des attaques critiques. Ok. D'accord. Les crochet blows, c'est, je sais pas, il doit avoir un truc. Allez, on met 2 mana de plus. On tape. Paf. C'est un cheval? Ouais, c'est le deuxième. Keeper of Valor. Ok. Gardien de Valor. Alors, on va essayer quand même de se débarrasser de ça une fois pour toutes. Mais plus 1, plus 40, tu peux bouger. Ouais, on va faire ça. Vas-y, tu peux bouger, mais t'as plus 1, plus 40. Par contre, Dig in. Et bah, fin de tour, donc défense, passe défense. C'est un peu comme s'il faisait une tranchée, quoi. Ouais, tout à fait. Attaque! Oh! Tchou! Comment je t'ai. Oh là là, comment je t'ai. Ok, là, faut que je m'en aille. Je peux pas partir. Faut, bah, tu casses les cocons? Bah, je peux pas bouger là. Ah bon? Bah, vas-y, ah, bah, t'es sur le. Bah, non, est-ce qu'on est dans un cas où tout est fini, du coup? Et pourquoi tu pouvais pas bouger ton placeholder? Parce qu'il est bloqué. Il peut pas passer par derrière. Mais non. Ah bon, ouais. C'est la fin du terrain? Ouais, pas vraiment. Ouais. Ah bah voilà. J'arrive dans une situation où je suis bloqué entièrement. T'es bloqué. Je peux la détruire, cette créature? Tu peux pas la sacrifier. Dommage. Je sais pas, elle doit avoir quelque chose. Non, mais là je trouve qu'on est complètement bloqué. Enfin, après, ça se trouve non, mais. Là, actuellement, je vois pas. Ou alors faut que, je sais pas, peut-être que les araignées vont apparaître petit à petit et apparemment j'ai pas l'impression en tout cas. On essaie de passer les tours. Et j'ai pas de créatures qui volent dans mon deck. Ah ouais. Passe. Enfin après t'as. Passe. Non, y a même pas. Si y a un ange, je crois. Ah y'a un ange, voilà. Mais après, l'ange, il prend 4 carrés quoi. J'ai un wiki aussi. Hop là. Non mais. Mine de rien, malgré le fait qu'on soit un peu mort au niveau du jeu, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien fait, ouais. Je dirais. Mmh. Je m'attendais vraiment à quelque chose de bien plus mauvais que ça. Mmh. Donc, toi, t'as joué 1 heure au jeu, donc avec le tuto, l'installation et tout. Mmh.
Comment ça se passe l'install? Comment ça se passe l'enregistrement du personnage, enfin du compte, la création du compte et tout? D'accord, donc en fait on télécharge le client, mm-hmm. puis le site web. Donc par contre c'est donc le client Sony, hein, d'accord. Ouais, c'est ça. Et donc après il faut s'inscrire, donc nom d'utilisateur, mot de passe, adresse mail. Ouais. Il demande pas de confirmation du mail. Bien. Donc, mais alors, est-ce que tu penses est-ce que t'as reçu un mail ou pas? Non, j'ai pas du tout vérifié. Tant mieux. Ouais. Vincent, tant mieux. Ouais, tant mieux. Ouais. Ensuite. Et ensuite, je me suis connecté. Et ensuite, il a lancé une mise à jour. Enfin, le téléchargement du jeu lui-même, ouais. lui-même, quoi. Parce que là, en fait, on avait juste téléchargé le client. Et puis, au bout des 1,4 Go de téléchargement, là, on entre vraiment dans le jeu. Et on entre dans le jeu et on passe au tutoriel. Qu'on peut aussi passer. On peut passer le tutoriel. Ouais. Bon, après, on sait comment ça marche le jeu. Ouais. Ça me paraît plus assez explicite quoi. Là. Mm. C'est vraiment pas trop. Après, ouais, en même temps, on connaît un petit peu Magic. Mais c'est vrai que pour les personnes qui ne connaissent pas Magic, ça pourrait être un peu. Ça pourrait être utile de voir quelques concepts de base quoi. Enfin, dans l'absolu, non. Vu qu'en fait, à part le fait que ce soit. Enfin, j'ai l'impression qu'à la place, à part le fait qu'ils aient pris l'univers et le concept des couleurs. Et donc tout le répertoire des sorts, bien sûr, donc ils ont des noms des sorts et des effets. Je vois pas de Magic dedans en fait. Bah personnellement, enfin moi je veux juste, pour moi c'est juste une petite facilité pour comprendre plus rapidement le background. Mais sinon oui, pour moi c'est pas nécessaire pour pouvoir jouer à Magic Tactics. Ouais, ce qui est bien aussi. Hein. C'est bien aussi. Parce que ouais, même le système de combat, enfin... là les personnages voilà c'est 40 et 80 ouais. alors que dans les cartes Magic c'est 4 et 8 enfin 4 2 enfin je sais pas 2 1 quelque chose comme ça et... donc ça en fait tout ce qui est proportion est complètement différent ouais. et en fait si tu mets juste l'univers c'est un habillage qui est certes intéressant parce que bon c'est comme sympa quoi mais oui en fait il y a vraiment besoin quoi. Donc, ah tiens mon Planeswalker a lancé un sort pendant le tour de mon loup ouais. sympa passe alors est-ce que tu vas réussir à t'en sortir? Je sais pas, et je pense qu'on aura pas le temps de le voir de toute façon. Hop, encore un peu. Encore un, faut que tu payes. Allez, mon petit robot. Mais en fait, je suis bloqué. Et voilà, c'est sur ce blocage qu'on va arrêter le test rapide sur Magic Tactics. Et donc, ça va finir vraiment notre tour d'horizon sur Magic the Gathering, les jeux sur PC. Ou pas. À la prochaine. Bon voilà, maintenant que c'est fait, on va pouvoir faire Christopher comme prévu, donc vas-y, va t'habiller et après on commence quoi. Je trouve que Magic Tactics ça ressemble bien à Heroes of Mathematics 5. Ouais, en fait, tu vois, c'est pas exactement la même chose, il y en a, c'est un jeu de stratégie avec une gestion de ressources, alors Glue c'est juste... Bah t'as la barre d'initiative avec l'ordre des combats. C'est pas spécifique à Heroes 5, tu vois, en fait, il y a beaucoup d'autres jeux de genre un peu stratégique. Bah t'as la carré aussi, avec les bords comme ça là. Plus, c'est pas spécifique à Heroes 5, t'as ça dans les échecs, tu vois, t'as ça simplement. Le prochain en test tuner, c'est Heroes of Mathematics 5. Ouais, de toute façon, c'est ce que je t'ai dit, donc on fera Heroes of Mathematics 5. Ah, mais le 6, il va bientôt sortir, on pourra le faire aussi, du coup. Ouais, en fait, oui, d'accord, mais il sort en septembre, donc en même temps, on pourrait même faire le 4, j'y pense. Voir même... Ah, le 3! Le 3, ça pourrait être pas mal aussi. C'était bien, celui-là. Non? Ok, alors, attends. D'accord. Tu sais quoi, on va tous les faire. Tous à la suite, d'accord. Donc, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'au 6, d'accord. On va même faire les jeux qui ressemblent à Heroes. C'est quoi d'accord. Tout le mois là, d'accord. Mais après, Chris Sawyer, d'accord. Chris Sawyer, tu vois, machin. Chris Sawyer, ouais. Ok. Ouais.